Reborn. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn, votre chaîne préférée. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert que le diable envoie des démons vers les célébrités pour qu'ils se mettent nus parce que lui, il a besoin d'âme en enfer. Et quand la célébrité décide de se mettre nus, c'est chaud. Et c'est pas tout. On a découvert également que le diable demande à ce que les gens qui travaillent dans l'industrie de la pornographie travaillent encore pour produire plus de vidéos juste pour conduire l'humanité en enfer. Juste en regardant une vidéo, là, tu peux te retrouver dans les problèmes. À la fin de cette vidéo va apparaître, ce sera sous forme de témoin puissant. Vous n'avez qu'à cliquer juste là-dessus pour découvrir exactement ce que Dieu aimerait pour vous découvrir. Ça pourrait apparaître ici. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous allons nous rendre aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour voir exactement ce qui se passe concrètement. Quels sont les effets de toutes ces choses? Est-ce que ça fonctionne réellement? Est-ce que ce que le diable a donné comme ordre, ça se manifeste? Et si c'est le cas, ah là 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 là, mes frères et sœurs, il va falloir qu'on abandonne toutes ces choses parce que nous ne voulons pas l'en faire. Ok, regardez l'écran. Où sommes-nous? Wow, c'est extraordinaire. Là, nous sommes carrément dans notre smartphone. Comme vous le voyez, voici ce que nous recevons comme les notifications et autres. C'est extraordinaire. Et nous voulons aller sur un réseau social. Ok, on va sur Instagram. Avez-vous vu ça déjà? Hein? Vous avez vu ça? Déjà avec ce que nous voulons de voir pour commencer, on veut dire qu'il y a problème. Waouh, mais arrêtez de tout le pouvoir. On voit des femmes qui s'habillent en pantalon. Voilà, qui mettent le rouge à l'air. Ça s'amuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyez-vous? Wow, on voit carrément une tête. C'est quelle tête? La tête de qui? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était vu par plus de 11 millions de personnes. 11 230 205. Et qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une paire de chaussures. Waouh, juste pour ça. Et à quoi d'autre? Les gens se prennent en photo. Ça a l'air intéressant. Il y a plein de trucs. Ça a l'air cool. Faisons encore plus de recherches ici pour voir ce que ça peut donner. Ouais. Boum. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce qui vient de se passer ici? Que se passe-t-il? Mais pourquoi est-ce qu'on la filme en serviette tout ça? Bon, et puis ça monte et puis ça on passe. Moi, wow, regardez comme les femmes nous habillent. Elles sont sexy. Tout est collé. Oh. Ça attire les gens ici. Quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc? Ça me donne quand même. Hein? Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça c'est étrangissime. Ouh, regardez-moi ça. Ça, quelqu'un passe derrière forcément.
ça va l'attirer et regardez ça. Aïe, 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 aïe. Mon frère et soeur, il y a un truc. Il y a vraiment un truc. Regardez. Et c'est la séduction. C'est la séduction. Elles sont jolies comme ça, regardez. Oh. Mes frères et soeurs, le poids des pantalons et des faux cheveux, c'est pas des choses recommandées quand vous êtes chrétien. Même cette photo, vous voyez comment les jambes sont exposées. Regardez un peu ce que ça donne. Waouh! Les choses sont claires. Quand une fille a une forme terrible, c'est que les réseaux sociaux vont trembler. Je vous parle de quelque chose. Ah! Regardez ça. Et elles sont vraiment toutes belles. Mais elles ont pris carrément toute la peau. Oh, regardez comme sa poitrine est bien serrée, bien pompée comme ça. C'est tout ce qu'on appelle être sexy. Et c'est ce que les démons veulent. Et on a même appris que quand une femme s'habille de façon sexy comme ça, juste là, comme ça, pour le diable, elles sont nues. Ce sont les informations que nous avons reçues. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux là. Regardez ça. Mais j'hallucine. Voyez-vous? Waouh! Waouh! Et regardez, les femmes sont en petite culotte. On dit qu'elles sont sexy. Tout ce genre d'histoire. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? C'est une soirée quoi? Voilà, quand les femmes sont jolies, vraiment, c'est pas de la blague. Regardez. Hein? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? On a passé, heureusement, on a passé vite. C'est exactement ça. Quand nous parlons des réseaux sociaux, et c'est ce que les gens font, c'est ça. C'est le sexe qui est mis en avant. Quand vous les voyez, vous pensez directement au sexe. Et ça, c'est pas une chose qui plaît à Dieu. Donc le diable a finalement raison. Les célébrités ont fait le travail et effectivement c'est ce qui se passe. C'était juste un aperçu pour voir si c'était réel et malheureusement c'est même plus réel que réel. Regardez ça. Regardez, c'est la même fille. Ils sont plusieurs filles. Ah, c'est différentes filles. Mais du même pays. Bon, ok. Ça veut dire ce que ça veut dire. Cette histoire va plus loin que loin. Il y a même de la nourriture. Waouh! Vraiment, on ne finira pas de regarder. C'était juste pour voir ce que les gens font sur les réseaux sociaux et pourquoi pas ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Si vous êtes des gens d'histoire ou vous habillez de façon très sexy comme ça, très sexy girl, mes frères et sœurs, nous allons vous dire, ce n'est pas une bonne affaire pour vous. Il faut abandonner. Ça va plaire aux gens, mais en clair, Dieu n'approuve pas cela parce que vous ne vous savez ce que c'est. Vous ne pouvez pas entrer à l'église avec. Comment Dieu va vous accueillir? Restez connectés, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Nous en parlerons. Et regardez la vidéo qui va apparaître sur la fin. Soyez prêts. Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, et cliquez sur s'abonner si vous n'avez pas encore fait. Et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire des dons pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouve toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Nous vous recommandons de faire des dons via Wesley. Waouh! Merci.